Bonjour à tous, alors comme vous le savez, quand je suis à Vigneux-sur-Seine, je ne peux que faire un tour à Nauze. Tiens, lait pour le corps, alors moi ce que j'aime c'est le packaging, il est vraiment original, je me demandais ce que c'était, 99 centimes. Donc apparemment c'est un lait pour le corps Happy Body El Mojito. Le petit olivier après shampoing. Pêche fleur de vigne 1,90€. On a des vernis aussi couleur pastel comme ça, vert et jaune. Alors ça c'est ce que je dis toujours au niveau des couleurs. Quand là par exemple il fait froid et tout, c'est moi c'est pas des couleurs qui me donnent envie, mais ça l'été c'est vraiment très très joli. Donc 50 centimes le vernis, donc sèche en 45 secondes. Une brosse pour les ongles. 95 centimes. Alors on a une eau micellaire pour nettoyer bébé, donc bio, 2,99€. Gel douche Umbro. Donc on a celui-là. Mais j'ai toujours pas le prix, en fait je cherche le prix. J'ai pas le prix, dès que si je le trouve, je vous le donne. On a 20 protections hypoallergéniques, 99 centimes. Savon pour les mains, 1,65€. Donc c'est la marque Pampered. Alors comme je vous le disais, donc que ce soit Nauze ou d'autres magasins, parfois on va avoir des marques de produits de beauté, etc. C'est des marques qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vues dans nos magasins, et on se dit oui bon bah voilà c'est pas terrible. Mais parfois prenez le temps de regarder par exemple sur Google et vous allez voir dans d'autres pays c'est des marques qui se vendent très très cher et qui sont très très prisées. Donc ne vous arrêtez pas à une marque que vous ne connaissez pas et parfois vous allez vraiment avoir des surprises au niveau du prix. Eau micellaire Evoluderme, peau réactive, sujette aux rougeurs, donc c'est une lotion démaquillante. Comme je le dis à chaque fois dans les autres vidéos, c'est pas parce qu'on ne se maquille pas qu'il ne faut pas se démaquiller. Donc 3,50€ celle-ci, il me semble qu'il y a d'autres, pour peau sèche aussi, je vais voir si ils les ont ou pas. Petite trousse, donc, par contre alors... parfois on a des étiquettes comme ça à Nauze, donc il n'y a pas le prix mais une décote de 45%. Donc il faut voir en caisse ou s'il y a des fois il y a des étiquettes qui indiquent. Ce genre de trousse c'est bien aussi quand on va en vacances, dans le sac de plage ou de piscine. On peut y ranger son téléphone, ses papiers, etc. Et puis en plus elle est bien parce qu'elle est assez épaisse et à mon avis l'eau ne rentre pas. On a celle-ci aussi en velours. Oh, Family Care, donc c'est un gel douche à la vanille, relax, 2,50€, il fait 1,250 L. Gel douche vanille et cannelle, donc on a celui-là, et puis on a aussi le multifruit. Donc eau micellaire, donc l'Irène Derma Programme, 1,29€, solution micellaire, donc 3 en 1, visage et yeux. Alors pareil, c'est la même marque que tout à l'heure, mais c'est mangue, orange et fruits de la passion. On a aussi celle-ci à la fraise. Et on a, je vois, la noix de coco. Noix de coco, amande et vanille. Brume pour le corps à la noix de coco, à l'huile de noix de coco, 1,50€. Alors je l'ai senti, elle sent vraiment très très bon la noix de coco, donc ça me rappelle les vacances. Parce que moi pendant les vacances, mes gels douche, ils sont à base de noix de coco ou karité, etc. Voilà, c'est vraiment, elle sent très très bon. Donc brume pour le corps, hein, ça va vaporiser sur le corps pour avoir pour avoir la peau qui sent bon. Donc c'est pas du tout un parfum, hein, mais c'est vrai que c'est le petit coup de cœur, hein, elle sent vraiment bon. Entre temps je suis allée demander parce que c'est toujours bon, je suis pas trop habituée à leurs étiquettes comme ça, donc en fait c'est 45% sur le prix qu'il y a de base, donc 5,99€ moins 40%, ça doit faire dans les 3€, entre 3€ et 3,50€. Voilà, donc voilà, pour info aussi, quand vous voyez des étiquettes comme ça, c'est sur le prix d'origine. Alors ça pour les enfants, super cadeau.
pyjama masque. Donc on a deux gels douche, hein, c'est ça, hein. On a celui-là et celui-là. J'arrive pas à voir s'il y a des odeurs particulières. Et il y a le masque, hein, le masque de Catboy, et c'est 2,75€. Là je viens de voir un cahier, enfin un livre plutôt rigolo et sympa. Donc c'est la collection pour les nuls, hein. Et en fait c'est un grand format, et bon, il est fermé donc on peut pas voir, mais à l'intérieur c'est des grandes feuilles comme ça, calque, et en fait vous avez des aliments dessinés. Donc il faut poser les aliments dessus, vous voilà, vous posez, vous ouvrez et vous profitez. Voilà, donc ouais, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. C'est 1,99€. Donc voilà, vous avez la liste de tous les ingrédients. Donc il y a 50 recettes de papillotes en toute simplicité. Voilà, je viens de comprendre juste que c'est pour les papillotes en lisant derrière. Mais en fait, voilà, donc vous avez la feuille à l'intérieur de papillotes. Vous posez les ingrédients, donc vous mettez au four et après vous ouvrez. Je ne comprenais pas le 1 et le 2, il y avait quelque chose qui manquait. Et puis après, vous pouvez manger. Et c'est vrai que les cuissons à la... Enfin, moi, les seules choses que je fais à papillotes, c'est le saumon. Saumon avec quelques petits légumes. Et c'est vrai que la cuisson au saumon est plutôt bonne et surtout saine. Je vous ai encore dit une bêtise. En fait, dedans, c'est juste des recettes en papier. Il n'y a pas les papiers cuisson. Hein. Le papier cuisson, c'est à vous de le poser sur les recettes. Un livre qui nous apprend comment devenir une fée du logis. Donc voilà, de, je pense que goûter d'enfants, les réceptions. Et il est à 1,50€. Moi je trouve qu'à Anode, ils ont vraiment des livres très très intéressants. Ils ont des livres qui touchent à tout, hein. Ça peut être de la cuisine, des livres pour enfants, etc. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Ils ont aussi des livres, vous savez, pour préparer les bacs, enfin le bac, enfin d'autres diplômes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc si vous recherchez des livres particuliers, n'hésitez pas à regarder dans leur bac de livres. Tiens, chef, ma fabrique à cupcake, cuisson ultra rapide au micro-ondes. 9,99€. Ça c'est vraiment sympa, c'est des choses à faire avec les enfants. Les enfants adorent cuisiner, hein, que ce soit filles, garçons, petits, grands. Donc c'est Top Chef, hein, l'émission Top Chef. Un petit kit avec pince, trombone, etc. Petit, je pense pour faire pour mettre ses petites notes, 1,20€. Un set de deux verrines, 3,99€. Donc le petit plus, c'est qu'il y a deux règles dessus. Donc la règle numéro 1, prendre la vie côté apéritif. Et la règle numéro 2, les petits plaisirs sont parfois les plus grands. Et donc c'est sur une petite planche en bois avec la cuillère, enfin deux cuillères. C'est mignon, des petits verres avec les petits pouces. Donc j'en profite, hein, un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Mais ça c'est les pouces, pardon, Facebook. Alors j'ai pas le prix. Moi j'ai pas trouvé le prix, mais je trouve ça rigolo. On a même un livre scrapbooking. Je sais que vous avez beaucoup aimé le scrap. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire, enfin une réflexion la dernière fois, vous voyez, d'un de mes enfants qui me disait, ah, mais maman, c'est vrai qu'on voit, enfin voilà, on n'est plus trop dans les livres, les magazines et tout, parce que maintenant on a tout, hein, sur internet. Mais moi, je sais pas si voilà, il y a des choses, hein, par exemple les recettes de cuisine, bien sûr j'adore les chaînes de cuisine et tout ça, mais des fois j'aime bien les avoir sur papier, c'est comme ça, donc je sais pas pourquoi, mais voilà, moi je suis encore attirée par beaucoup de livres. Je pense que malheureusement, comme je disais dans une de mes vidéos, je pense que petit à petit, avec les générations à venir, on en aura beaucoup, beaucoup moins. Il y a peut-être, j'en sais rien, dans 50 ans, on se demandera encore ce que c'est qu'un livre. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut vivre avec son temps. Alors, on en a aussi pour faire du crochet. Et on en a un pour dessiner. Une petite tasse Haribo, je suis mordue. Et c'est vrai que les crocodiles, c'est plutôt pas mal. 1,50€. On a des assiettes avec trois compartiments. 1,75€. On a aussi ça. Alors, moi, je pense que c'est pour mettre des tasses. Mais c'est bizarre que ce soit vendu comme ça, sans les tasses. Donc, c'est 1,20€. Alors, il y a des tasses ici. On va essayer de tester.
Bon, oui, mais bon, après, c'est pas la même teinte, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, donc c'est 1,20€ et les tasses comme ça sont à 50 centimes. Ben, des paniers à pique-nique. Donc, hop, à l'intérieur, ils sont comme ça, donc ça garde au frais. On a ce coloris et on a celui-là. Alors, malheureusement, j'ai pas les prix. Valise cabine Lollipop 100. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Donc roue silencieuse, donc 4 roues, super légère, avec la sécurisation donc combinée, donc 360. Alors on va voir, donc Lollipop, hein, c'est une marque aussi de vêtements. Alors elles sont à 34,99€. Moi je cherchais le poids. Donc je vous donne les tailles déjà. Donc c'est bien une valise cabine, hein, vous pouvez l'emmener avec vous. Donc vous voyez, hein, prix d'origine 99€. Alors moi mon conseil, hein, si vous avez une valise avec deux roues, passez aux quatre roues, que ce soit celle-ci ou une autre, d'un autre prix, etc. Mais c'est vrai que dans une valise quatre roues, quand on sent que les roues sont de bonne qualité, c'est très bien. Donc celles-ci, elles ont l'air vraiment solides. Donc voilà, c'est vraiment une 360. Et le petit plus de ça, hein, c'est qu'on n'a pas, comme on ne tire pas la valise, on n'a pas de poids dans les bras. Donc on a juste voilà, à la prendre et à la faire glisser. Hein. Vraiment ça change la vie, moi j'ai vu une différence, hein, comme je vous l'explique à chaque fois. Alors si en plus vous avez des enfants, vous allez voir que vraiment ça change, parce que quand on part en voyage, on a toujours un petit, voilà, un petit bout, soit dans l'aéroport, soit de l'aéroport au taxi ou à la voiture, où il faut prendre ses valises. Et ça change les voyages. Alors je n'ai toujours pas trouvé, je cherchais le poids de la valise, j'arrive pas à voir. On va voir quand même l'intérieur. Et vous avez vu, il y a même une petite vanity à l'intérieur. Regardez, rien que la vanity, elle a 79€. Hop, donc, je vous montre comment c'est, parce que des fois il y a des valises où il y a deux côtés, et là il y a le côté principal, c'est là que vous allez mettre vos affaires, et puis il y a une petite trousse ici qui se ferme pour éventuellement y glisser des petites choses. Dommage que j'ai pas trouvé le poids, mais à mon avis, elle doit faire 1 kg parce qu'ils indiquent super léger. Puis elle est en tissu, hein, elle n'est pas en, comme d'autres, en semi-métal, là, matière valise dure, rigide. Donc au niveau des couleurs, vous avez celle-ci, fuchsia, rouge, et vous avez du bleu. Alors honnêtement, entre nous, je me laisserais bien tenter, mais j'en ai déjà acheté une l'année dernière. Mais voilà, comme je vous le dis, hein, ça change vraiment le voyage d'avoir une valise légère comme ça, et surtout avec, oui, en plus, test du tambour, test de la poignée, test des fermetures. Donc 34,99€. Bon, entre temps j'ai retrouvé les paniers pique-nique, ils étaient là, donc c'est des paniers isothermes, ils sont aussi en vert et en bleu, ils sont à 5,99€. Je trouve pas cher et ils sont assez sympas. Donc voilà pour cette première vidéo, parce que je vais en faire une deuxième, je vais peut-être vous mettre de la déco et tout ce qui est vêtements. Alors moi, petit coup de cœur pour la valise, je pense que vous l'avez senti, hein. Je me connais, je sais qu'une fois arrivé chez moi, je vais réfléchir et puis je vais revenir et on n'aura plus, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.